bien, hop, avec ma petite belle-sœur. Regardez comment c'est trop mignon, petit institut. Et il y a la petite Roro qui est là. Voilà. Tu as trouvé Rolex. Voilà, on entre bien, ça. Et le papa, il est en train de... Donc, il y a le chéri de Fanny, donc mon beau-frère, il est en train de faire le ménage. Et moi, il est en train de garder la petite. C'est quoi au top, nos hommes. Bon, là, on vient de finir les mains. Je vous montre la couleur après. C'est trop beau. Je suis trop contente. J'ai même coupé et tout un petit peu. Du coup, là, j'allais vous montrer la couleur. Enfin, je vous montre après. Et là, on va passer aux pieds. Voilà. Donc, je vais faire les petits pieds. Oula. Elle va faire tourner la caméra. Et là, on va passer à un petit pied. Mais regardez, en coupant les autres, elle voit qu'ils sont durs. Mais donc, j'ai coupé le coupon qui s'est cassé. Non, mais cata. Bon. Là, je viens de rentrer. Ali a fait dodo. Donc, son papa l'a fait manger et il l'a endormi. J'aime trop le noir. C'est trop beau, regardez. Voilà. Et si j'ai coupé les filles, j'ai grave coupé. Regardez. On ne voit plus là. C'était archi long mes ongles. Avant, on a commandé chinois. Voilà. On avait pas envie de faire à manger avec G. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Donc on a pris chinois. Donc on attend que ça arrive. Là, aujourd'hui, j'ai dit je ne lave pas mes cheveux, je lave demain. Et donc du coup, là, je vais mettre. Des beaux cheveux pour cet été, des cheveux longs, bien épais et des cheveux qui poussent en bonne santé, c'est le moment de s'y mettre, donc avant cet été. Donc moi clairement la lotion Biopousse, vous le savez, là c'est ma troisième bouteille, donc ça fait maintenant 6 mois que j'ai commencé, 6-7 mois. J'ai commencé peu de temps après ma grossesse, puisque après ma grossesse, j'ai eu une chute de cheveux incroyable. Rappelez-vous, j'ai dû couper et tout. Et là, regardez comment ils ont poussé. Et le volume, et ça, tout le monde le remarque. Donc, c'est un truc de dingue. Par contre, ils n'arrêtent pas de pousser. Là, je les ai recoupés un petit peu. J'ai recoupé les pointes quand j'ai été faire ma couleur. C'était quand ? Mardi. Mais c'est dingue comment ils repoussent hyper vite. Pour vous montrer, mais ma coiffeuse était choquée. Regardez toutes les mèches qui avaient pété à cause de ma grossesse. Regardez. J'ai carrément une frange en dessous ma frange. Non, mais regardez. Voilà. Vous pouvez juste... voilà. Mais vous voyez... Regardez, je peux pas cacher plus que ça pour vous montrer comment ça pousse. Non mais c'est un truc de fou, j'ai jamais eu les cheveux qui poussaient autant, aussi vite et aussi rapidement. C'est vraiment un produit miracle pour la pousse des cheveux, pour le volume, pour toutes les filles qui galèrent à avoir du volume, à avoir une repousse de cheveux. Et bien Biopousse, c'est vraiment le produit miracle et surtout naturel, 100% bio, 100% naturel. Donc c'est le moment vraiment de prendre soin de ses cheveux et de mettre du bio, donc vraiment pour avoir des cheveux incroyables. Regardez, j'ai une masse, quand je laisse mes cheveux naturels, j'ai une masse de fou malade. Je vais vous montrer le avant-après parce qu'en fait, j'avais pris un avant le jour 1 où j'avais commencé Biopousse, je m'en souviens. Ensuite, j'ai pris mois par mois, vous allez voir. Et vous allez voir maintenant, vous allez être choqués, je vous montre. Donc voilà, je vous ai mis l'évolution de mes cheveux et là vous pouvez voir maintenant, alors comme je vous ai dit, je les ai coupés, cette solution miracle, elle est incroyable. Les avantages aussi que je trouve, c'est que ça ne graisse pas les cheveux. Vous avez vu, là je viens de les mettre, bon, mes cheveux sont sales, donc je compte les laver soit ce soir, soit demain matin, je pense demain matin.
Mais ça ne graisse pas les cheveux, ça ne laisse pas une pellicule grasse sur les cheveux. Et en plus de ça, vous pouvez le mettre aussi bien sur les cheveux secs que sur les cheveux humides. Donc c'est à vous de choisir. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point positif. Le deuxième point aussi positif, c'est que ça sent hyper bon. Ça laisse un côté fraîcheur au cuir chevelu. Et donc ça, c'est cool. Et aussi, c'est qu'on a des résultats au bout de 2 semaines d'utilisation. Vous avez vu avec moi, les avant-après, c'est un truc de dingue. Je vais vous mettre aussi les avis des gens qui ont essayé et utilisé Biopouce, comment ils étaient choqués, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Et voilà, aussi ce que je peux vous dire, c'est que quand vous le mettez, déjà soyez vraiment assidus, mettez-le tous les jours, vraiment tous les jours. Vous avez vu, on met un spray, on met bien les cheveux en arrière, on masse, on masse, on masse pour que ça pénètre dans le cuir chevelu, et ça y est, ça pénètre directement. Donc vraiment, faites-le tous les jours, soyez assidus, comme ça vous allez vraiment avoir des résultats. Et quand vous le mettez, vous attendez 8 heures. Si par exemple, là aujourd'hui, je dois me laver les cheveux, et ben je vais mettre le spray 8 heures avant de me laver les cheveux. D'accord? Donc voilà, parce que ça agit pendant 8 heures le spray une fois que vous le mettez. Pour ça, mettez-le vraiment tous les jours, vous allez avoir des résultats de dingue. Mes cheveux. Mais je suis choquée. Vous avez juste à regarder mes cheveux, ben voilà, vous allez être rassurée et puis vous voyez le résultat vraiment qui est oufissime. Je vais vous donner une offre, donc screenez bien juste après. Donc profitez de cette offre pro pour avoir le BioPouce ben, pas cher. Et si je voulais vous demander, est-ce qu'il y en a qui font du sport à la maison? Mais vraiment, genre, est-ce qu'il y en a qui prennent des cours de sport à la maison, tout ça? Est-ce qu'il y en a qui font ça? Est-ce que vous avez des réels résultats? Parce que je regarde beaucoup les vidéos Insta, les vidéos TikTok et tout. Je vois qu'il y a grave des filles qui prennent des cours de sport à la maison, qui font des 30 minutes par jour et tout. Non mais regardez, grâce à BioPouce, mais là je passe du coq à l'âne. Mes cheveux, ils n'arrêtent pas de pousser. Tout ce qui s'était pété après ma grossesse, regardez. Mais c'est un truc de dingue. Bref, je sais même plus où les mettre. Qu'est-ce que je disais? Et je vois qu'il y a vraiment genre des résultats. Les meufs, elles mettent du avant après. Et elles vont pas à la salle, elles font tout à la maison. Et donc je me tâte à commencer ou pas. Donc est-ce que vraiment il y en a dans ma commu qui font ça et qui ont eu des résultats de dingue? C'est Dodo. Elle me manque, je l'ai pas vue du coup, j'étais aux ombres. Ouais, elle me manque trop. Et là, je vois dans la caméra, elle est en train de dormir. Mais nous, on va en profiter pour manger là. C'est bon, on a commandé chinois. Ça arrivé, donc on va en profiter vraiment pour manger. Mais elle manque et je ne sais pas quelle activité je vais lui faire faire cet après-midi. Motivée, toutes vous m'avez envoyé oui Sarah, j'ai commencé le sport à la maison et ça a trop bien fonctionné, des résultats hyper rapides. Donc ça y est, dès demain je m'y remets, je vais reprendre un programme que j'avais, je vous avoue, et j'ai pas du tout été assidue, vous me connaissez, mais là ça y est, vous m'avez remotivée, donc dès demain je m'y remets. Mais ça y est, c'est sûr, demain, je m'y remets. Je vais me faire des séances pour commencer peut-être 30 minutes par jour. Enfin, je vais voir selon le programme combien de temps ça fait. En plus, ce qui est bien, c'est que Alia, elle peut être là. Voilà, là, elle est dans son trottoir. Je viens juste de la mettre. Donc, elle peut être dans le trottoir pendant que je fais ma petite séance de sport très rapide. Et vous m'avez trop motivée. Ça y est, je suis en train de lire mon message. Vous m'avez trop motivée. J'ai même envie de commencer dès maintenant.
Non, je commencerai bien demain. Et il faut que je retrouve mon... Merde, comment ça s'appelle? Mon programme. Il n'y a qu'un programme qui me motive vraiment, que j'avais fait aussi pendant le confinement et que j'avais fait aussi avant d'être enceinte, j'avoue, à Dubaï. Et après, j'ai lâché l'affaire. Une fois que j'étais enceinte, j'ai complètement lâché l'affaire. Alors, après, à l'accouchement, encore pire. Après... j'ai lâché l'affaire. Mais là, je suis trop motivée. En plus, vous m'avez deux trop motivée. Parce que je vous jure, je regarde sur TikTok, sur Insta et tout, et je vois, il y a des résultats de fou sur des meufs qui font des séances à la maison. Avec des programmes bien précis et tout. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, hein. Pourquoi ça marche chez les autres et ça marcherait pas sur moi? Les filles, vous m'avez dit, le code BioPouce ne fonctionnait pas. C'est bon, il est actif, désolé. Hein. Pour celles qui m'ont écrit, le code ne fonctionne pas, j'avais pas vu. Ça y est, il fonctionne. Regardez. Je vous avais dit quoi? Je me suis pesée il y a 5 jours, un truc comme ça. Vous vous souvenez? Je vous ai dit, là, je reprends mes cures bien comme il faut, Wonder Nana et tout. Regardez mon ventre, comment il a dégonflé. Je vous ai dit, la adieu kilo, c'est un délire. Ça nous fait dégonfler, mais hyper rapidement. Et donc là, mon but maintenant, c'est de muscler tout ça. Voilà. Motivée comme jamais. Madame, elle se déplace, mais vraiment petit pas. En fait, vous m'avez tout dit de mettre des chaussures, mais quand je lui mets, ça l'énerve plus qu'autre chose. Donc, du coup, je la laisse comme ça et elle se déplace. Mais elle fait un peu du reculon sur le côté. Voilà. Et c'est plus une table pour jouer pour elle qu'autre chose. Question très intéressante. Bah, comme je l'explique à chaque fois que je fais Coco Niles, et en plus, je me filme quand je le fais. Ma pause juste avant, c'était Coco Niles. Tout simplement parce que là, je pars à Dubaï. Ma belle-sœur m'a proposé de les faire. Franchement, quand on me propose de faire mes ongles, je dis un grand oui. Surtout quand bah, y a G qui peut garder la petite à la maison le temps d'une matinée. Donc oui, grave, en fait, je voulais refaire mes pieds et tout. J'avais trop la flemme de les faire toute seule. Et ici, à la maison, j'ai pas de noir Coco Niles. Donc voilà, et j'avais envie de noir. Donc, je réponds à tes questions. Et comme vous pensez vraiment que celles qui font Tipiak Pirate, elles mangent du couscous toute la journée? Donc là, on est dans la chambre d'Alia. Et je voulais absolument, comme je vous avais promis, vous montrer ces belles chaussures qui sont trop chaudes. La plupart, je les ai commandées sur le site H&M. Donc, je vais vous montrer. Donc, regardez celles-là. Comment elles sont trop belles. Bon, celles-là, c'est ma mère qui me les a offert. Qui a offert à Alia. Bien évidemment, c'est de la fausse fourrure. Hein. Mais d'accord. Voilà, elles sont trop chaudes. J'aime trop. Ensuite, donc, celle-là, celle que vous avez vue. Alia, elle a plus de bottes que moi. Il y a celle-là. Donc ça, c'est H&M. Regardez comme elles sont trop belles. Elles sont pas trop belles, les filles. Voilà. Celle-là. Trop chaud aussi. Celle-là. Simple. Et voilà. Ah non, il y a une autre paire. Ah, j'ai mis dans les affaires pour la valise. Une autre paire de noires, elles sont trop classe pour Alia. Je vais essayer de vous les montrer. Hop. Donc là, il y a Alia qui explore sa chambre doucement, ma fille. Donc ça, dans ses affaires. Ces affaires que je vais prendre pour Alia. Et normalement, les chaussures, elles sont là. Regardez comment elles sont trop belles. C'est pas trop belle. J'adore. Mon amour, tu joues dans le hamac? Regarde. Coucou Alia. Bonjour Alia. Bonjour Alia. Bonjour Alia, tiens mon cas. Tu sens chaud. Je vous montre,
Il y a quelque chose qui va vraiment bien me servir. Donc, c'est tout ce qui est leggings et shorts de sudation de la marque Sea Tiger. Donc, comme vous savez, je vais reprendre le sport à fond. Et j'ai envie de me donner à fond et vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour perdre rapidement. Parce que je suis quelqu'un, moi, si je n'ai pas des résultats très rapides, ça me saoule et donc j'arrête tout. Je pense que je suis comme la plupart des personnes qui me suivent, enfin la plupart des personnes même partout, pour être motivée, il faut avoir des résultats très rapides. Et moi, ma seule motivation là pour reprendre le sport, et cette fois-ci à la maison, comme je vous ai dit, je vais vraiment sur un programme. Là, ce soir, dès ce soir, je vais tout regarder sur le programme, tout ça. Je vous en parlerai demain. Mais pour ça, je vais mettre toutes les chances de mon côté. C'est-à-dire que vraiment, je vais être à fond et je vais me servir de choses qui vont m'aider aussi à perdre. Je sais qu'il y a un truc qui est vraiment génial, c'est les shorts de sudation. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Tout ce qui est shorts de sudation ou leggings de sudation. Donc, le principe des leggings et des shorts en sudation, c'est tout simplement perdre beaucoup d'eau, donc dégonfler très rapidement, transpirer très rapidement, et ce qui fait qu'on perd très rapidement. Et également d'éliminer les mauvaises toxines. Donc les mauvaises toxines, on les élimine en transpirant, en éliminant l'eau. Ça enlève toutes les mauvaises toxines du corps. Donc ça, c'est l'idéal. Donc c'est pour ça que je pense que vous connaissez tous la marque Sea Tiger. C'est les guides numéro 1 en sudation en France. Je vous ai déjà montré, je vous en ai déjà parlé. Quand j'ai accouché, je mettais que le short, pour ceux qui s'en souviennent, parce que ça m'a fait dégonfler également le ventre, tellement que je transpirais dedans à longueur de journée. Et ce qui est génial, c'est que déjà de base, ça a une action quand on fait pas de sport, quand on porte, quand on fait rien qu'un effort. Rien que je faisais l'aspirateur, j'avais chaud, je transpirais avec ça. Alors là, quand je vais reprendre mon sport demain, oui, je l'annonce, sachez que ça va être mes meilleurs amis. Je vais les porter tout le temps, je vais transpirer, je vais suer, mais ça va être incroyable. Je vais vous montrer, je vais l'essayer, je vais vous montrer le modèle. Donc là, vous avez soit le short, soit vous avez le legging. Donc vous voyez, ils sont très très bien faits. Vous avez même, hop, je vais vous montrer. Hop, mais je vais vous le montrer aussi sur moi. Là, à la taille donc du short ou du legging, vous voyez, c'est comme une gaine. Donc avec des seins, enfin voilà, des petits niveaux. Plus on le porte serré, plus on perd. C'est ça le principe, comme vous pouvez voir, et plus on va perdre, plus on va transpirer. À l'intérieur, la matière qu'il y a, ça s'appelle du polymère, et le polymère, c'est ce qui sert à vraiment transpirer et à perdre. Donc voilà, je vous montre comment il se porte. Donc vous avez soit le legging qui descend jusqu'en bas, soit le short. Moi, j'adore le short parce que moi, vraiment, ce que je veux perdre, c'est au niveau de là, donc des poignées d'amour, au niveau du ventre, et renforcer musculairement tout ça, et aussi les fesses. Donc voilà, c'est pour ça que je mets le short, mais vous avez le legging hyper long pour celles qui veulent vraiment suer et perdre de partout. Donc en tout cas, sachez que plus vous allez serrer, comme je vous ai dit, la ceinture, plus vous allez perdre. Et le principe de transpirer, donc quand on transpire, on perd deux fois plus vite. Ça, c'est normal. Donc on fait plus d'efforts et c'est pour ça que le polymère est incroyable à l'intérieur. En tout cas, les filles, pour celles qui veulent perdre plus facilement, donc même si vous faites pas forcément de sport, ça c'est sûr que quand on fait du sport, on perd beaucoup plus vite, mais celles qui veulent suer et dégonfler et perdre, sachez que Sea Tiger font une offre de début d'année incroyable. C'est-à-dire que là, sur les derniers articles de la gamme sudation sur Sea Tiger, j'ai un code de moins 70%. Genre, c'est énorme. Regardez le prix du legging et du short. Il vous revient à combien avec mon code? Donc franchement, foncez. Il y a un stock très limité, donc je sais qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc en fait, Gilles a acheté ça pour faire des teintures, des vêtements. Sauf qu'il manque la moitié des choses dedans. Non, il faut juste du sel. Du sel. Sel c'est fin. Pas ça le sel? Non, il y a les deux boîtes, il faut rajouter du sel en plus. Casse les pieds. Donc juste du sel. Je pensais que c'était des lingettes. Tu sais, t'as des lingettes colorantes. Ouais, il y a tout un truc bizarre. Hein. En fait, c'est ça. En plus, là, c'est vraiment pour teinter un truc qui n'est pas noir en noir, je pense. Là, c'est un truc noir pour le raviver. Donc là, tu penses que ça, c'est bon? Hein? Go mettre des t-shirts blancs dedans. Il y a ça et il y a ça dedans. Mais apparemment, il faut racheter. Non, il faut rajouter du sel de cuisine. Mmh. Bon, on en a. Il faut 500 grammes. Okay. Pour acheter un camion de sel en plus. Ah oui, 500 grammes de sel fin. Mmh. Ou de sel fixateur.
Enfin, en fait, t'achètes ça, mais il te faut d'autres trucs en plus, quoi. Bye bye. Bye bye tout le monde. Ce soir, c'est G qui fait la fameuse quiche au thon. Par contre, lui, il a une recette bien... Enfin, il y en a plein à chaque fois qui m'ont dit, Sarah, rajoute un fond de moutarde au fond. Et au final, bah ouais, je te jure. Et au final, bah, G, lui, m'a dit, par contre, moi, je vais rajouter un fond de moutarde au fond. Normalement, je mets même les tomates sur le thon. Voilà. Et normalement, il met des tomates même sur le thon. Mais moi, j'aime pas les tomates cuites. Voilà. Donc là... Et d'ailleurs, moi, je fais jamais ça. Ouais, tu t'es pas dit. Mais tu vois, je le fais jamais. Il va y avoir quoi comme différence? Bon, voilà. Et donc ça, il va le mettre au fond. Et bon, je sais que ça va être très très bon. Voilà. Bah, je sais, parce qu'à mon avis, ça doit faire une différence. La moutarde, moi, j'en mets jamais. Et puis, je vais voir ce que ça va faire comme différence, les petits trous. Après, peut-être ça va mieux cuire la pâte. Parce que t'as vu, moi, quand je la fais, la pâte, elle est limite pas très 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 cuite au fond. Je sais pas si ça fait pas évacuer l'eau aussi, peut-être, je sais pas. Ah bon. En tout cas, c'est ça. Sinon, ça reste toujours la même recette. 4 œufs, un pot de crème entière comme ça, un peu de lait. Et voilà. Et ça, tu le mets au fond, c'est ça? Ça, tu le mets au fond? Oui. Donc ça, il met au fond avant de mettre le thon. Il y a quelqu'un qui a dit le... Elle est où, la boîte? De teinture. Ouais. Elle a dit qu'elle a testé, c'est de la merde. Elle l'a fait, c'est parti au bout de 2 lavages. Ça s'est déteint au bout de 2 lavages. Donc il faut faire quoi? Il faut quoi? C'est les lingettes normalement. Comment skin and love just last year?